Good morgen, allez, Yidel, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Avish, Mordechai Ben Shalom Alevi Eisen, ainsi que les Nishmat Richard Ben Fortuné Mazal Bat Louisa. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, comptez-elle 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Megillah, Perek Alef Mishnachet. En Ben Sfarim, les Tfilin Mzuzot, Ella Shasfarim Nirtavin Becholol Lachon. Les Tfilin Mzuzot, Ella Nirtavot, Ella Ashurit. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Af Besfarim. On continue avec les Mishnayot des Enben, les différences qui se trouvent entre deux situations, deux domaines de halakha semblables, où malgré tout il y a une petite différence, on est que sur d'autres points ils sont semblables, comme ce qu'on a déjà découvert plusieurs cas, et donc avec à présent un nouveau sujet qui concerne les livres, tous les Sfarim HaKdoshim, les livres saint, ça peut être un Sefer Torah, ça peut être un avis pour lire dedans en public, ou ça peut être aussi une écriture de Tfilin et de Mezuzot. Et la Mishnah me dit En ben Sfarim et Tfilin ou Mezuzot. Par rapport au halachot concernant l'écriture des Tfilin et Mezuzot, et l'écriture des Sfarim, des livres, ça peut être, donc on a dit la Torah, le Chamisha Chamisha Torah, pour lire en public, dans un Sefer Torah et tout ça, il n'y a de différence que El Hacha Sfarim Nirtavin Bechol Lachon, l'unique différence qu'il y a, c'est que les autres livres, ils peuvent être écrits dans d'autres langues. Tandis que les Tfilin et Mzuzot, en anichtavot ella ashurit. Eux, ils ne peuvent être écrits qu'en ashurit, c'est-à-dire avec la langue du Lashon HaKodesh, et avec la forme des lettres, qu'on appelle la forme ashurit, c'est les lettres du Sefer Torah, qui ne sont pas exactement comme les lettres qu'on a en hébreu, même de la Gemara, ou en hébreu moderne, à plus forte raison. Qu'il y a quelques petites différences, implique de les écrire avec la même forme que le Sefer Torah, d'accord? Après, on va expliquer mieux. D'abord, je finis la Mishnah. Tandis que Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit, Af Basfarim, même pour les Sfarim HaKdoshim, Lo Hitiru Sheikatvu Ela Yevanit, on a permis de ne les écrire qu'en Yevanit, en grec antique. Et on explique de quoi on parle. Figurez-vous que, d'abord, il y a plusieurs halakhot concernant l'écriture d'un Sefer Torah, les Tfilin Mezuzot, il faut les écrire sur du Klaf, ce qu'on appelle sur du parchemin, les écrire aussi, coudre les morceaux entre eux avec des guidim, avec des nerfs d'espèces animales, d'accord? Il y a quoi encore? Il y a aussi, si on les touche, on a les mains qui deviennent impures, c'est une impureté qui est véhiculée dans les Chod Shabbat. Si vous vous souvenez, on avait appris dans les Chod Shabbat les traites d'avar, les takanot qu'il y avait, que les Sfarim HaKdoshim, rendre impur les mains, il faut se les permettre. D'accord, c'est en rapport avec le fait que les gens cachaient à l'époque la nourriture de Trouma dans les Sfarim. Et du coup, il y avait les souris et les rats qui venaient manger les livres en mangeant les résidus restes dans les livres. Du coup, on a fait une takana que les livres ils rendent impurs. Du coup, comme ça, les gens allaient arrêter de mettre la Trouma dans les Sfarim. Enfin, on revient sur le vif du sujet. Donc on est en train de considérer ici en quoi les lois sont semblables et en quoi les lois sont différentes. Alors la Mishnah m'enseigne que pour toutes les lois concernant le choix de la nécessité de prendre un parchemin, même si il y a quand même des différences sur quelle partie du parchemin, entre les tfilines et les sfarim. Mais grossièrement, c'est plus ou moins malgré tout semblable, la manière de coudre les livres, le fait que ça impurifie les mains, tous les livres rendent impurs. Il y a une différence, c'est quelle forme de lettres et quelle langue écrire. Il y a deux choses. La forme des lettres et la langue, que tous les Sfarim, les autres livres Kodesh, selon Tanakama, on peut les écrire dans toutes les langues. C'est-à-dire, on met en français, Bereshit Bar Elohim, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il faut juste faire attention que ce soit une écriture parfaite, une traduction authentique, pas de falsification entre du passage d'une langue à l'autre, ce qui est très dur, en tant que personne qui m'occupe des fois de traduire des textes. Pour 5 minutes et tout ça, je vois là, il y a une très grande difficulté à traduire d'une langue à l'autre et à rester fidèle. Soit on est fidèle dans l'esprit, soit on est fidèle dans les mots, mais joindre les deux, c'est très compliqué. Il y a des expressions, vous imaginez bien quoi. Tomber dans les pommes, dites en hébreu que vous êtes nafla batapurim, on ne va pas comprendre ce que vous voulez, en deux mots. D'accord? Il y a une manière de s'exprimer, mais enfin bref, on a la possibilité de traduire tous les livres en toutes les langues, et s'acquitter avec ça. C'est-à-dire qu'en théorie, on pourrait lire même la Megillah, on pourrait la lire, ou bien lire en public, dans un texte en français, si tout le monde comprend parfaitement le français, et que c'est écrit avec une vraie traduction, sans falsification du passement d'un autre. Ça, c'est selon Tanakama. Selon l'avis de Rabban Shimon Ben Gamliel, on peut les écrire qu'en grec antique.
C'est déduit du passouk qu'en noir il a maudit Cham, après il a béni Shem et Yafet. Il a dit Yaft Elohim, le Yafet, le Ishkon Beao le Shem. Hachem il donnera la beauté, la splendeur à Yafet. Yafet c'est l'ancêtre des Grecs. Et il donnera la splendeur aux Grecs. Et Veishkon Beao le Shem, il résidera dans les tentes de Shem. Il y a plusieurs interprétations à ce passouk. Soit qu'Hachem va donner la splendeur aux Grecs, tandis que la Shrina ne va résider que chez l'homme Israël. C'est une lecture, d'abord. C'est comme ça que Rachid explique sur le Mishnah, dans la Torah. Mais aussi une autre lecture, que la beauté de Yefet, elle pourra, elle, entrer dans les Aolé Shem, dans les tentes de Shem, dans les Beth Midrashot de Shem. Ça veut dire qu'on pourra écrire la Torah avec sa langue, étant donné que le Yévanite, c'est la langue, le grec antique, c'est la langue la plus belle et raffinée. Je ne sais pas ce que ça implique exactement dans belle. Ça veut dire quoi, belle? Je suppose que ça veut dire sur la capacité de définir chaque chose selon son statut exact, et des mots et des nuances pour définir deux choses qui sont semblables, chacun avec la capacité de discerner, j'imagine, je ne sais pas, je suppose que c'est ce que ça implique. Ça, c'est donc concrètement, pour cette Mishnah, on n'a plus rien à retenir, parce qu'on n'a plus de grec antique à notre époque, on parle plus d'aucune. Et l'halakha est retenue comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc de ce fait, ça ne peut être que du grec antique, on n'a plus le grec antique, donc de toute façon, on peut forcément que écrire que en lachon hakodesh. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'hatzlacha, kol tov, salam.